Salut à tous. Donc je vais laisser devant le boss que je vais me faire tout de suite. Voilà, là ça recule automatiquement pour pas qu'on puisse le combattre sans faire exprès. Hein. Donc je vais commencer à faire ça. Là on a l'invocation niveau 4 de Ivan. Voilà, pas Sophia parce qu'elle peut plus faire son soin de zone sinon. De toute façon, son groupe. Donc là je vais pas parler comme d'habitude. Enfin, pas, ou pas, pas beaucoup. Ouais, il y a 4 niveaux d'invocation, donc ça c'est le dernier hein, pour lui. Ouais, il craint pas trop le feu. Hein. Voilà, maintenant vous avez compris pourquoi j'ai pas enlevé le truc de machin. Pour dire le... les jeans de Sophia. Alors je vous ai dit, quand on use nos jeans, on a vraiment des sales stats quoi. Là j'ai moins de vie que Sophia, qui est pourtant la plus faible. Alors que elle a perdu de la vie, donc bah, vous avez la preuve que je ne veux pas trop user cette vie. Ah merde, c'est un truc de feu. Est-ce qu'on peut le guérir de ça? Je crois pas. Hein. Je sais pas si ça a marché. Ouais, en fait si on attend un peu trop là, en fait il crève, Garrett. Donc là ne pas user ce jean, parce qu'après on peut plus faire les soins de groupe, on doit attendre que le jean soit relié, donc on va faire ça. Je récite pas Ivan parce que Vlad a un jean pour le réciter après. Ça récite à fond. Ah bah non, ça a pas marché. Ah la rage. Ça, ça fait vraiment chaud. Bon, ouais. Pourtant il est faible hein, d'habitude. D'habitude je le bats facilement. Ah mais c'est pas assez efficace. Thank you.
Là c'est con, j'ai pas pu réciter. Hein. Ouais, il est toujours pas, merde. Bon, tant pis. Et là, si on va sur cette île, vous voyez que c'est une petite île comme l'autre fois. Donc vous avez deviné, il y a un djinn dessus. Elle est pas récité, mais... Ah, ça marche pas tout le temps. Hein. Est-ce que j'ai pas un truc pour réciter? Ah, je peux pas encore ici. Donc ouais, la dernière fois j'ai eu du pot, le djinn est apparu du premier coup, mais là... Ah voilà. Le voilà. Donc ce qui est efficace sur lui c'est le vent et j'ai pas eu vent encore. J'espère qu'il va réussir à le ressusciter. Ça se rend de la merde ce djinn. Hein. Oh putain. Oh le con. T'as qu'à ce moment que je serai avec un djinn. Là vous avez vu qu'il fait Gaia The Djinn, donc je pense que j'aurai Gaia quand je l'aurai battu. Ouais c'est ça, après il y a 3 magies, après il y a Grande Gaia et Mère Gaia et Grande Gaia. Là on voit l'utilité de ce fait. C'est vraiment de la merde. Oh putain. Oh l'enculé. Oh le PD. Alors là, putain, ça commence à me saouler. J'ai vraiment pas de peau hein, aujourd'hui. Je te jure que là, il apparaît le jeu, j'ai explosé sa gueule. Oh putain, alors là il veut souffrir là. Espèce de bâtard. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Ah c'est ça. Attends un peu. Bon ça, ça lui fait de la merde, c'est normal. Hein. L'invocation niveau 4 de Sophia. Je l'avais pas encore vu. Voilà, c'est un mouloir, une espèce de moulin à glace. Pour tous vos milkshakes, pour faire de la glace pilée, etc. Assez utile. 200 euros seulement. Voilà. Maintenant on en a 4 pour comment il s'appelle, Vlad. Et du coup, on peut Ouais du coup on peut comment. Maintenant qu'on a 4 points, on peut faire l'invocation niveau 4. Apocalypse. Une des invocations les plus impressionnantes.
voilà, une nouvelle ville. Oh merde. Bon, ok, ils me cherchent. Ils vont me trouver. Voilà, comme je vous l'avais dit, on a Gaïa maintenant. Ça n'a pas l'air efficace, mais c'est beaucoup plus efficace que les trucs de séisme d'avant. Parce qu'après, Grande Gaïa et tout ça, c'est vraiment, je crois, les meilleurs sorts de zone de Vlad. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va commencer par vendre toutes nos saloperies. Genre... oui, on n'a pas, ok. Genre ça. Ça. C'est vraiment des trucs de merde, quoi, mais... Laisse tomber. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a des bonnes reliques? Ah, yes. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà avant. Drain psy, ouais, c'est sympa, ça. Ça c'est vraiment sympa. Enfin, on va prendre des trucs normaux parce que c'est déjà assez cher comme ça. Ouais, ça va. Ah, oh, j'y crois pas, c'est plus cher que ma mâche. Enfin, meilleur que ma mâche. C'est l'âge Aspoc, hein, pas Aspic. Aspic, c'est quoi? C'est pas un Pokémon, Aspic? Bon, je m'en rappelle plus. Donc ouais, là, je paye comme un malade et j'aurai plus rien pour mon... J'aurai plus rien pour mes... pour mes armures, hein, tant pis. Oh, fais pas chier. Alors, attends. Enlever. Voilà. Non. Non, putain. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite là les armures, je sais plus où c'est. Non. Et maintenant je suis complètement parano dès que je vois un truc qui ressemble à un cercle. Même si ça ressemble pas à un cercle. Je suis comme un taré maintenant. C'est pas ça, ça va. Ça va pas trop cher. Ça c'est nul. Voilà. Alors, ouais, ça va. Ça augmente pas mal. Je vais quand même prendre les trucs pas trop chers. Ah bah ça va pas être tout de suite hein. J'appelle de fer. Hein. Cagoule là. Bon, vu ce que ça augmente, ça je m'en fous. Hein. Ça, ça augmente bien par contre. Oups. Un gantelet. Ah. Ouais, bof. Plus de fer, pourquoi? Je leur donne des codes de maille. Ah, ça fait chier ça. Ouais. On va encore devoir lui enlever ses saloperies. On devra donner des trucs à. Ouais. Tiens, à Sophia, parce que de toute façon, on n'aura jamais rien elle. Les herbes, on s'en fout complètement maintenant. Ouais, je leur vends toutes mes herbes. Alors là, c'est assez pratique, on peut tout vendre d'un coup. Voilà, les herbes, on s'en fout. Ensuite, c'est quoi qu'on peut enlever? C'est tout. Tout ça. Ouais. Ça aussi, on s'en fout, on a le sort. Voilà. Ensuite, voilà. Ça c'est bon. Ça j'hésite, c'est un peu cher.
Ouais. Ouais, quel goût là. Ouais, franchement, mais vu la différence avec l'autre truc, j'ai pas envie. Bon, j'achète pas. Donc maintenant, on va se reposer un peu. Donc là, on va bientôt se quitter. Et ouais, la vidéo n'était pas très intéressante non plus. Hein. Il y avait pas. Enfin, il y avait surtout du boss quoi. Un nouveau jean. Donc ouais, voilà l'état du jean maintenant. Et ouais, la prochaine vidéo, il va y avoir beaucoup de nouveaux jeans. Ça va être de la vraie chasse aux jeans là. C'est Pokémon quoi, mais avec des jeans. Il va y avoir que des jeans quoi. On va récupérer, je pense, au moins 2 ou 3 jeans quoi. En retournant dans les anciennes villes et des jeans qui sont par ici aussi. Donc salut, à la prochaine vidéo par la suite. La chasse aux jeans, salut.